fleurs des tombeaux de France d'Arget. Au poète Louis Cholet. J'avais quatre fleurs sur ma table, une rose couleur de sang, un grand lys à l'air respectable, un liseron s'entrelaçant sur la tige d'une immortelle. Entre les volets demi-clos glissait sur leur fine dentelle un rayon de lune à longs flots, et moi, placé en sentinelle, je devinais leurs moindres mots. La rose, éclair de feu dans la lumière blanche, murmurait. J'étais reine autrefois au jardin, et si vous m'aviez vue resplendir sur ma branche et jeter sur mes sœurs un regard de dédain, humble fleur, vous aussi, vous auriez dit comme elle. Pour reine, c'est la rose, elle, qu'il faut choisir. Belle parmi les belles, je suis fleur du plaisir. Le grand lys répondit. Je naquis dans les pierres d'un vieux couvent détruit il y a bien longtemps. Nul ne m'avait planté, mais parmi les bruyères, seule la main d'en haut m'a jeté ce printemps, et j'ai grandi, bercée par le chant des fauvettes qui, nichant dans les murs, jasaient sous le ciel bleu. Inclinez-vous, pauvrette, je suis fleur du bon Dieu. Le liseron d'azur qui frissonnait dans l'ombre soupira. Je suis née, moi, près d'un mur géant. Entre de noirs barreaux, sous un ciel toujours sombre, je grimpais, m'enlaçant autour d'un trou béant. Et je parvins ainsi tout près d'un misérable, auquel seul je rendis un plus doux horizon. Mon sort est enviable, je suis fleur de prison. Alors, l'humble immortel, à son tour, droite et fière, dressant sa tête blanche et son petit cœur d'or, s'écria « J'ai fleuri, moi, dans un cimetière. Parmi les croix de buis, je parfumais un mort, un enfant qui vécut toujours dans la souffrance et qu'on enterra là parmi les champs d'oiseaux. Je suis fleur d'espérance, je suis fleur des tombeaux. » Le lendemain, la rose altière gisait sur la table, parmi les feuilles du lys éphémère et du liseron endormi. Seule la fleur du cimetière, relevant la tête à demi, dressait ses corolles ornées d'un immortel rayon d'espoir au milieu de ses sœurs fanées, comme un éclair dans un ciel noir. Daté du 4 février 1900.